Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Tac. On se retrouve aujourd'hui sur Destiny 2. Et pourquoi on se retrouve sur Destiny 2 ? Bah parce que, mesdames et messieurs, c'est le retour. C'est le retour des vidéos. Parce que sinon, quand même, il y a quand même une giga extension qui sort. Si on sort pas une vidéo maintenant dans la foulée, bon, autant jamais la sortir, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, bon, voilà. Alors, je fais ça une semaine, quasiment une semaine avant les débuts de l'extension, parce que, comme vous pouvez le voir, je dispose de l'icône sur l'arcaniste qui est débloquée lorsqu'on termine la campagne en légendaire. Donc, on a un niveau de difficulté atteint déjà. J'ai déjà fait la campagne, c'est pas du first time. Mais du coup, l'avantage, c'est que je vais pouvoir être un petit peu plus critique, je vais pouvoir un peu vous donner un petit peu des feedbacks un petit peu plus précis à chaque fois, et surtout on va pouvoir le faire avec une autre classe que l'arcaniste, parce que c'est vrai qu'on le fait souvent avec l'arcaniste. Alors, je fais souvent à peu près tout avec l'arcaniste. Les seules fois où j'ai utilisé d'autres classes, c'est parce que justement il y avait une première prise qui avait bugué avec l'arcaniste, du coup j'avais fait autre chose avec une autre classe basiquement. J'avais utilisé, c'était basiquement un deuxième essai quoi à chaque fois. Mais là on va pouvoir essayer des trucs. Donc c'est plutôt intéressant. Donc je sais pas lequel des deux je vais prendre. Pour le coup. Parce que j'avoue que entre le chasseur et le titan, les deux sont plutôt stylés à faire, donc à utiliser. Je pense qu'on va aller avec la chasseuse. Parce que l'avantage, c'est que du coup, j'ai déjà entendu. J'aimerais bien voir le truc d'un point de vue féminin pour voir un peu au niveau du voice acting. Parce que oui, spoiler, notre personnage parle. Donc ça pourrait être très intéressant de voir ça. Donc franchement, ça m'a l'air d'être intéressant à utiliser. Donc bah allons-y en fait, j'ai envie de dire. Et de toute façon, ça va être une bonne occasion d'utiliser de regarder pour ce qui concerne la doctrine abyssale, parce que c'est vrai que c'est un des gros changements de cette campagne, c'est le Void 3.0 qui va être très intéressant à utiliser parce qu'il utilise un système qui est similaire à celui de la stase, qui a déjà un système qui met Tamul 0 bien sûr à l'ancienne manière d'avoir les pouvoirs et de les choisir, puisque au lieu d'avoir vraiment trois archétypes parmi lesquels tu pouvais choisir des grenades, des failles, des trucs comme ça qui pouvaient être interchangés, mais on sait pas trop pourquoi le super lui il était lié à ça, enfin c'était bizarre. Maintenant c'est tout échangeable actuellement. Si tu veux avoir le super de machin avec la particularité de machin, tu peux le faire. Si tu veux avoir par exemple, le super d'arcaniste, c'est tu peux avoir le super qui avance lentement, vous savez, la boule abyssale qui avance lentement et qui suit les adversaires, et en même temps avoir le devourer, comment est-ce qu'ils appellent en français, la dévoration, c'est ça. Donc l'effet dévoration, ce qui avant n'était pas possible du coup, parce que c'était deux arbres différents, et si tu voulais l'un, tu devais te séparer de l'autre. Et bien on va voir un petit peu comment ça marche au niveau des chasseurs, puisque la doctrine abyssale des chasseurs était assez bizarre, pour être honnête, en termes de fonctionnement. Donc on va voir un petit peu comment est-ce que ça a été changé, et comment ça va synergiser avec les nouveaux, enfin avec les exotiques actuels en fait. C'est pas. C'est pas ces quêtes de merde. En temps de crise, les peuples attendent des réponses de leurs dirigeants. Mais depuis la disparition brutale de nos planètes, je n'ai plus que des questions à leur offrir. Et maintenant que Mars est réapparu, je ne sais même pas par où commencer. Où est-elle ? Votre théorie était fondée. La relique provient des pyramides, ça ne fait aucun doute. Mars est sur toutes les lèvres. Il me faut plus de temps. Les cabales se mobilisent. Nous devons... sécuriser la zone. Je
dirait qu'ils ont une autre cible. Mais qu'est-ce qu'ils visent ? Savatoun. Ah franchement, la première fois que j'ai vu cette cinématique, j'étais vraiment en mode mais bordel de merde, ils nous ont vraiment lâché l'une des meilleures cinématiques en termes techniques. Igora a absolument aucun genre, il y a aucun point de comparaison avec ce qu'elle est dans le jeu quoi, genre incroyable. Bref. Du coup voilà, on commence avec ça et on commence tout de suite avec le plus gros choix de la campagne, c'est est-ce qu'on est des petits sexes ou est-ce que on est des tchads Sigma Grindset, ça c'est la question. Est-ce qu'on joue en normal, ce qui est intéressant puisque ça permet derrière de d'avoir un petit peu uniquement l'aspect scénario et pas trop le fait de galérer sur des trucs. Ou alors on passe en légendaire pour obtenir des armures exotiques, des packs d'équipements, des modules des machins. Bref, des trucs, plus de récompenses mais plus dur du coup. Alors, on va faire un entre-deux, mesdames et messieurs. On va faire un entre-deux. Et je vais vous expliquer exactement ce qui va se passer. A plus B, j'ai envie de dire. Déjà, on va appeler Dim. On va appeler Dim parce que Dim, il est sympa. Et en plus, c'est un peu ce qui va me permettre de faire cet entre-deux, cette négociation. Parce que bon, forcément, si je choisis la pilule bleue, on va me péter les couilles. Et si je choisis la pilule rouge, les vidéos ont une variance, ont un facteur d'incertitude qui est est-ce que je vais galérer sur des missions de merde que j'ai déjà faites ? Je ne peux pas me permettre, bien évidemment, d'utiliser la pilule rouge sans un petit twist. C'est pour ça qu'on va faire l'une des premières choses de l'histoire de l'humanité. L'une des premières inventions. Il aurait dû être fait des Matrix, en fait, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait. J'invoque, du coup, la pilule verte, MDR. Donc, et pour ça, j'invoque le revolver du Séraphin. Mais d'abord, fuck, c'était pas le bon. Bon, j'étais presque. J'invoque le revolver du Séraphin, j'ai dit. Ok, premier, très bien. Secondo, j'invoque. Ouais, ça doit être ça. Le fugue. Voilà, le fugue 55. Et en dernier recours, j'invoque la mitrailleuse du Séraphin. Voilà. Il s'agit donc de trois armes que j'ai faites, enfin que j'ai obtenues. D'ailleurs, je peux utiliser ça maintenant de suite. Voilà. Qui sont à 1530 de puissance. Voilà. Ça va être un peu plus intéressant. Mais de toute façon, sachez-le, il y a un cap de puissance. C'est-à-dire que forcément... On ne peut pas être... Genre, en fait, lorsque je vais faire l'émission dans la campagne en légendaire, même si on est dans un niveau au-dessus, il y a un cap. C'est-à-dire que ma puissance sera comptée comme étant, genre, automatiquement, je sais pas moi, 10 ou 15 de retard, par exemple. En gros. C'est comme ça que ça va se passer. Donc, basiquement, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, je suis en train de vider l'intégralité de mon inventaire. Parce que ça va me servir à rien, basiquement. Que toutes ces armes-là sont under-level, j'ai envie de dire. Du coup, bon, bah... Ça, elles ne servent plus à rien. Et du coup, ça va me permettre de drop les armes et de les utiliser au fur et à mesure, comme si c'était comme si c'était sur une sauvegarde fraîche, quoi, j'ai envie de dire. Ok. Et il nous manque ça. Voilà. Et le problème c'est que Dim du coup ne... Ouais voilà, donc là c'est les armes que j'avais avant. Voilà, bon, me jugez pas quoi. Et du coup on va passer directement tout de suite, avant de commencer l'histoire, à
La ronde de la nuit, la ronde de nuit. Et on va regarder un petit peu. Du coup, comme vous pouvez le voir, il est possible de changer les supers directement, parmi trois supers. Donc le tir de l'ombre Traquenard, l'AM Spectral et le tir de l'ombre Carquois de Mobius. On peut changer la roulade comme d'habitude, on peut changer les trois sauts comme d'habitude. Ça, c'est de toute façon la même mêlée à chaque fois, ok. Et ça, c'est les différentes grenades, sachant qu'on en a trois comme on est en chasseur, mais qu'il est possible de déverrouiller ces autres grenades-là, même si elles n'auront pas forcément de synergie avec nos aspects. Les aspects, c'est quoi? C'est, premier aspect, activer la chute rapide pour dépenser votre charge de mêlée et plonger au sol en créant un grand nuage de fumée à l'impact qui se dissipe ensuite. Les cibles prises dans le nuage sont affaiblies et les alliés deviennent invisibles. Votre bombe de fumigène rend les alliés et les proches invisibles quand elle s'attache à une surface ou une cible proche. Ok, très bien. Éliminer une cible affaiblie, neutralisée ou volatile vous confère de l'invisibilité et vision pure. Ok. Et enfin, essayer vous rend invisible. Ok, très bien. Donc, on a des aspects stylés. Alors, je vais tester ça parce que ça a l'air intéressant. Et on va prendre celui-là après. Voilà, comme ça. Et on va tester les trois fragments. Alors, fragments, c'est simple. Vous regardez ce qu'il y a le plus de... Vous regardez ce qu'il y a le plus de stats, basiquement. Toujours comme ça que je fais. Les frags des combats en solitaire font exploser les cibles. Allez, hop, on prend. Les frags de mêlée rendent des points de vie aux alliés proches à vous-même. Allez, hop. Après avoir neutralisé une cible, votre mobilité est considérablement augmentée. Pendant une courte durée, votre arme équipée rechargée puis réserve. Ok. Ou, oh putain. En position accroupie, vous faufilez plus rapidement et la résolution de votre radar est augmentée. Allez, vous savez quoi? Nous sommes des ninjas, littéralement. Ok. Et ça, par contre, est-ce que ça pue pas la merde par rapport au mur? Non, ça atterre les amis, on va garder. Ok. Ah oui, et du coup, oui, le super, c'est... deux salves de trois flèches. Ok, c'est parfait, on va garder ça. On va garder ça. Ça, on va voir plus tard. Allez, c'est parti pour la légende. Oh putain, quel vaisseau de merde. écoutez, ça arrive, hein, ça arrive à tout le monde. Ok. Allez, fonce. Ah putain, mais ça va mettre un chargement de merde. Bon. Du coup. Ah non, c'est bon, putain, merde. C'est trop rapide. Allez, c'est type 1. Allons sur Mars, du coup. Hop. Du coup. Gardienne. Iris et moi, nous établissons les opérations des clandestins près du berceau. Où vous trouvez-vous? Dans une sorte de champ cultivé. Ce que vous voyez est une fenêtre sur l'âge d'or. Mars est revenu avec des instabilités temporelles. Et la présence de Savatoun n'est pas une coïncidence. Nous pensons que la réapparition de Mars l'a poussée à sortir de sa cachette. Selon nos renseignements, elle pourrait être affaiblie. La flotte des cabales bloque l'accès à son vaisseau. Vous devez trouver un moyen d'aller là-haut et de retrouver Savatoun. Ça pourrait être notre seule chance de frapper. Ok, voilà. Bon. Je tiens à jouer un petit peu avec cet effet visuel parce que c'est quand même vachement stylé. Bref. En gros, bon, pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire et qui ont besoin d'un rappel. Bon, il y a quelques... il y a un an, je crois, hein, basiquement, à l'heure du premier Content Vault, des planètes ont disparu du système solaire. Pour aucune raison. Et on sait toujours pas, hein, dans le lore, je crois. C'est vraiment, ils ont littéralement disparu. Tout comme les planètes ont été supprimées du jeu, lol. Et on sait pas trop. Dont Mars, du coup. Et là, Mars vient de réapparaître avec des anomalies qui viennent de l'âge d'or. L'âge d'or qui est donc la période. En gros, si vraiment je dois vous résumer Destiny 2, l'âge d'or, c'est une période qui a suivi l'apparition du voyageur. Basiquement, l'espèce de grosse boule blanche qui est le symbole de Destiny. Et donner moult pouvoir à l'humanité. Et du coup, l'âge d'or, c'était un truc justement comme ça où on avait des moyens. Putain, mais je vais me faire péter la gueule en fait quand je parle. Et basiquement. Basiquement, l'âge d'or, c'était le moment où genre on avait un niveau technologique vachement plus stylé. On vivait plus longtemps, bref, c'était incroyable. Puis après, les ténèbres sont arrivées et on a vite déchanté. C'était la chute, c'était la barbe à merde. Et on s'est fait péter la gueule, basiquement. On s'est fait péter la gueule comme en 39. Et bon, du coup...
Ben, c'était un peu chum, quoi. Et après, derrière, les gardiens, on est là 200 ans plus tard. Du coup, bah, on a encore des anomalies qui viennent de l'époque où on était encore giga balèze, et du coup, l'époque où la civilisation dans Mars était déjà encore bien florissante, basiquement. Parce qu'on avait réussi à coloniser les différentes planètes du système solaire grâce à la puissance de la lumière et de l'âge d'or et du voyageur, tout ça. Bon, aujourd'hui, du coup, le voyageur, il est un peu moins fort, t'as vu. Mais bon, il a dû se retrancher. Du coup, il vit que sur la dernière cité, la fameuse. Ouais, que j'ai pas le temps. Ah oui, c'est vrai, maintenant je peux faire ça. Attendez. Il faut que je fasse quoi? Excuse-moi. Hein. Parce que là, je saute et j'appuie sur 4 et il se passe rien. Est-ce que c'est un truc avec... Faut que je prenne un objet lourd, hein, je sais pas, mais genre... Activez la chute rapide pour dépenser votre charge de mêlée. Ah ok, d'accord, ok. Il faut la charge de mêlée, très bien. Bon, ça m'a pas l'air d'être un aspect incroyable parce que du coup, j'enlève une des capacités. Les cabales installent un canon géant. Ouais, un canon géant, c'est bien. J'ai une idée. Entrez là-dedans et trouvez-moi une console. Ok. Du coup, bon. J'utilise la capacité qui me fait avoir de l'invisibilité. Pour avoir l'invisibilité, bon, c'est un peu nul. On va tester, mais. Ok. En fait, je crois qu'il faut que j'utilise. Ouais. Alors, ça a l'air stylé comme truc, comme ça, mais. Peut-être un peu trop nul. Sans vouloir vexer les gens qui ont taffé sur ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va. Faire ça. Ouais, qui va recharger mon arme. C'est cool avec un revolver. Et à la place, on va prendre cette arme, ce truc-là. Voilà. Qui nous débloque un autre fragment. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Non. Non. C'est intéressant ça. Même si bon, les frags de mêlée, bon, il y a mieux dans les chasseurs, mais... Mais je l'ai pas tué là? Oh putain, je détruis même pas un baril en un coup quoi. 3 coups il me faut, 4, 5. Ouais ok, bon. Bizarre. Ça avait pas l'air de l'avoir touché, c'est ça que je trouvais bizarre. Et là j'ai one shot, bon ok. Écoutez. Oh bordel. Ok. Ah putain, la visibilité c'est 4 secondes quoi, vraiment il faut... Ok. Non, j'ai vraiment efficacité mortelle, hein, putain. Quelle arme top tier sans faire exprès. Ok. J'aurais pu recharger. J'aurais pu ne pas recharger. Il faut que je reprenne mes habitudes de chasseur, hein, je suis désolé. J'ai l'habitude de recharger, donc. J'ai pas l'habitude de casser le jeu. Bon. Des fois, vous savez, dans la vie. Voilà. Amenez-moi à la console. Voyons comment ce canon fonctionne. Voilà, basiquement. Une fois le rituel mené par la reine Mara, je pensais que Sabatoun se ferait oublier. Alors pourquoi réapparaître aussitôt? Ça me semble un peu précipité pour une déesse de la ruse. Ouais, je suis plutôt d'accord. Hein. Ah oui, d'ailleurs, tiens, bah, vu que bon, alors on est un peu. C'est un peu tard maintenant, mais. Je sais pas si vous avez vu, mais. Mais il en a rien à foutre. Bon, j'ai encore une fois utilisé une mêlée sans vouloir, mais... Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh, bordel. Ok. Pas de bouclier solaire, c'est ça? J'ai pas d'arme solaire, au secours! Wow, wow, wow. Pourquoi je fais ça? Oh merde. Mais Ouais, je peux préparer pour lui là. Quoique. Tiens. Bon, je doute que vous l'avez peut-être remarqué, hein, mais les compresseurs, c'est vraiment la vie. Hein.
Tu veux vraiment pas... Allô ? Ok. Je savais pas que la bombe ne faisait pas ça, mais bon. Il nous faut du carburant, de la puissance et un contrôle du projectile. Le projectile, c'est vous, bien sûr. Je sais ce que vous vous dites, mais faites-moi confiance, ça va marcher. Mes plans fonctionnent toujours. Commençons par ouvrir les lignes. Peut-être que je vais continuer à utiliser le... Je suis vraiment une sale merde des fois. Peut-être que je vais continuer à utiliser le revolver quand même, parce que ça va être mieux. Oh, le bouclier abyssal là, vraiment. Ok. Alors. Nous avons un super. Je sais pas ce qu'on va faire de ça, mais on a un super. Je sais pas exactement quand est-ce que je vais l'utiliser. Je théorise pas trop l'utilisation des super. J'ai souvent tendance à. Genre de gens à ne jamais les utiliser, du coup. Parce que je sais pas quand les utiliser. Je sais pas que je ferai aussi peu de dégâts. Il est sérieux ce fils de pute? Ah, il s'est déplacé comme si j'étais devant lui, genre. Ça sert à quoi d'avoir l'invisibilité si le mec joue comme s'il me voyait? Oh, l'efficacité mortelle, ça va. Hein. J'ai pas trop besoin de recharger quoi que ce soit à chaque fois. Ok. Wow, wow, wow. Ah oui, c'est vrai qu'eux, ils me font chier, c'est ça? Je crois que je peux péter la tourelle, ça. J'ai pas le temps. Il m'a one shot. Et genre, c'est le lamebot le plus gros que j'ai jamais vu. Hein. L'ennemi le plus fort de tout ce jeu, c'est vraiment les putains de vaisseaux. Il arrive, il me bute, il repart. Oui, alors le flawless, bon. Hein, non. C'est pas parce que. C'est pas parce que j'ai des armes que forcément je sais utiliser ces dernières. Oh, j'ai lancé loin, bordel! Ces grenades, hein. Ils meurent tous là, ça y est. Mais voilà, mais le problème c'est que. Contre des trash mobs, ça va en fait. Oh putain. Tu veux vraiment pas. Oh, t'es sérieux? C'est quoi cette arme de mêlée de merde? C'est ça là? Oh putain! Ah, c'est vraiment ça qui fait que ça. Oh, j'y crois pas. Bon, ok. Oh putain. Mais ça m'a même pas touché. Bon. Ok, ça c'est abyssal. Ok. Ok. Je vais pas le ramasser tout de suite, je pense. Ah ah! Je vais faire comment maintenant? Est-ce que ça me... Let's go! Ok, les coups de grâce sont comptés comme des attaques dans mêlée. C'est génial. Ah, si ça me donne de la visibilité, pourquoi pas. Hein. Une de moins, gardien. Ok. Il en reste une autre. Alors après, pour être honnête, j'ai vraiment aucune foutue idée de... qu'est-ce que je suis censé faire de l'invisibilité. Pourquoi je suis pas invisible, là? Bon, bah d'accord. Attends, mais je comprends vraiment pas cette classe. Hein. Oh putain, il fallait que je la... Ok. Il fallait que je la... Je foute une compétence abyssale. Bah génial. Je sais pas ce que j'ai détruit, mais... Apparemment ça va avoir fait mal. Mais qu'est-ce qu'il fait là lui? Qu'est-ce que tu fais là? Et là? Bon ok. Ok donc lui il est mort de ça. Je connais pas son shield c'est ça? Bon guess. Let's go. Oh, tu te fous de ma gueule. Non. T'es chiant. Ah, t'es très chiant, là. Bon, après, ça va. J'ai l'impression qu'on regagne vite l'invisibilité.
Ok. Donc les dégâts abyssaux comptent pas. À moins que... À moins qu'il faut que j'applique un truc qui fait que les dégâts abyssaux appliquent un effet particulier. Mais je pense pas que ça marche comme ça. Tu veux pas, genre vite... Non, non, vraiment, t'es chiant. Ligne de carburant ouverte. Ça a marché ? Ok. Bon, ça... Si ça marche, hein. C'est moi qui aime plein, hein, mais... J'avais l'impression d'avoir laissé tomber la clé quand je suis parti. Yeah. Et là normalement, hop là. Il s'est retourné. Je le déteste. Je le déteste en fait. Vraiment. Ce chien se retourne alors que je suis invisible, je le déteste. Putain. Oh, c'est pas possible. Là on rigole beaucoup parce que c'est... On n'est pas en réapparition limitée. Hein. En plus cette mission elle dure 1000 ans, je me rappelle. Putain. Bon allez. Non merde, ça marche pas comme ça, j'ai oublié. En fait c'est marrant parce que... Le chasseur... Pitié, pitié, pitié. Oh, il casse les couilles. Oh putain. Il s'est vraiment tourné spécifiquement pour ça, quoi. D'accord, bon bah je vais me faire foutre, hein. Je fais littéralement moins de dégâts à la partie de son shield que je dois taper pour lui faire des dégâts après. Il meurt au prix du coup. On est d'accord qu'il meurt parce qu'il a pris la mêlée. Ah d'accord, non, il s'en fout, ok. Non mais très bien. Je savais pas que mon attaque de mêlée était suffisamment forte pour péter le baril. Mais par contre, lui qui se prend l'attaque de mêlée et le baril, il a rien. Intéressant, intéressant, intéressant. Il est parti où du coup? Il est parti sur un café, ça y est. Mais je sais que je respawn, hein. Ensuite, les générateurs. Ouais. Bon allez. Bon en tout cas ça va quoi. Pour l'instant, bon, en dehors de quelques problèmes. Mais sérieusement? Ah et là ça. Ouais, ça m'a pas mis invisible parce que je suppose. Non là toujours pas, ok. Bon, l'invisibilité, on l'aura plus tard, je crois. Je crois que j'ai pas encore débloqué. Ça doit être ça. Ok. Ouais, il casse des mortels. Gang. Qu'est-ce qui vient de me remettre des balles dans le chargeur là? Je viens de me prendre des... J'en ai marre. Bah, il est où? Il est descendu. Putain de merde. Pitié. Ok. Bon, ça va. Mais en vrai, je crois qu'il y a moyen de faire une meilleure... Est-ce que ça me... Il y a des gens qui vont arriver ou pas? Ouais. Bah viens là, wesh. Ok, c'est, ça doit être... Ok, attends, par contre, c'est quoi ce rôle de bâtard là que j'ai? Cette arme, j'ai même pas regardé là. Ah oui, d'accord, ok. Et ça, c'est ok. Oh le god roll. Oh le god roll du truc. Oh merde. Ah oui, bien sûr. Ennemi vaincu 0, c'est vrai. Ah, oh, il était bien renseigné. C'est bien renseigné. Oh putain, je peux appuyer sur tab pour voir mon objectif actuel. Merci les gars. Bref, je crois qu'il y a un meilleur aspect à avoir là, vite. Il y a une meilleure combinaison d'aspects.
Ouais. On va faire ça. Ouais. Et ça. Comme ça, ça va peut-être être mieux. Alors tiens, on va tester un truc. Bon, normalement, ça devrait aller. Ok, parfait. On va tester un truc, parce que c'est là où je suis mort la première fois. Je ne débarquerai pas dans un vaisseau géant. Ça revient à dire, je suis là, venez me tuer. Peut-être que Sabatoun veut juste attirer l'attention. Notre attention. Bien vu, ça. Alors, normalement, la première fois, je suis mort ici. Exactement. Ok, donc c'est effectivement possible de crever ici. Non, c'est juste parce que je trouve ça incroyable. Et du coup, je suis pas... Quoi? Bon, bah... À votre avis, du coup, si je recrève là, ça me met un game over ou pas? On va peut-être pas le faire, hein, mais... Parce que là, le problème, c'est que j'ai même pas pris des dégâts, tu vois, donc... C'est vraiment un truc parce que le sol est complètement... En fait... Le sol ici... Oui, machin, ok, d'accord. Seuls les ingénieurs Cabal les ont sur eux. Ok, d'accord. En fait, comme le sol ici, il est pas plat, je suppose qu'en fait, il y a eu lieu à un problème avec le fait de tomber. Le fait que ça m'a trigger pas mal de force, ici. Ça m'a fait rebondir plusieurs fois. Ce qui m'a fait prendre des dégâts comme si j'avais été projeté, quoi, en gros. Je crois que c'est ce qui s'est passé. Nick. Ah là, on est vraiment sur un jeu de tir game. On est vraiment le genre de personne... Je joue pas de manière apeurée, je joue de manière réfléchie. Je campe pas, je temporise. Il est pas mort lui? Ok. Par contre, il faut que je sois bon quoi. Nick. Alors là pour le coup oui, en effet là le... Peut-être que le rechargement plus lent mais le chargeur plus long, plus rempli, peut-être que c'est le moment où je vais dire non quoi. Alors excusez-moi parce que... Non on va prendre 1000 ans là en fait. Ah oui en effet. Si je meurs c'est à cause de... c'est à cause des mods. Ok. Parce que là sinon, on va vraiment prendre 1000 ans à le tomber là. Alors on prend déjà 1000 ans hein. Ouais. Ouais l'angle mort, ouais ouais. Non mais sinon c'est pas parce que je fais ça que forcément je cheese le jeu hein, vous savez. Ok. D'ailleurs l'intelligence artificielle de cette extension a l'air d'être vachement meilleure. Je sais pas si on va le voir dans ce let's play mais... Sachez que pour la première fois que j'ai fait ce truc en légendaire, les ennemis avaient l'air vachement plus intelligents pour le coup. C'est-à-dire capables de mouvements d'équipe, des trucs comme ça, de me poursuivre quand je me casse ou des trucs comme ça. Faites des trucs, je sais pas. Ouais j'ai basiquement deux grenades quoi. Du coup, bah, j'espère que vous aimez la deuxième. Bon, allez, toi, je te donne. Je te la donne. Hop. Ouais, ce saut est toujours dégueulasse. Hein. J'aime toujours pas ce saut, les choses des chasseurs. Est-ce que vous pouviez vous calmer deux secondes? Vous voyez, là, ils avancent. Parce qu'ils savent qu'ils ont le surnom, moi. Incroyable. Quelqu'un veut venir ou... Ok, 1, 2. Ok. On s'amuse hein.
Ah putain, les cabales avec des chines quoi, vraiment. On va attendre, hein. On va attendre un peu. Oh, je sais même pas toucher les chines quoi. Ça me touche pas ça. Ouais, c'est ça. Putain. Ah si, le moment où j'essaye de le toucher quoi. Ouais, je crois que je connaissais cette attaque qu'il allait faire et j'étais mal barré. Si je coup de grâce et pas, comme on l'appelle. Ok. Oh, elle est pour toi celle-là. Oh, j'avais pas besoin de te mettre ça, hein, mais. Elle est motivée, hein. Non mais c'est pas parce que je tire en travers des objets pour que lui il puisse pas me toucher que moi oui, que je suis en train de cheese le boss. Hein. Non mais c'est voulu par les développeurs, je vous jure. Trouvez-moi cette console, j'activerai l'ascenseur. Je m'y connais en game design, vous savez. Fuck. Fuck, nique ta race. Bon. On attend qu'il arrive, hein. On va en profiter pour... Ah, je suis bloqué. Putain, c'est bon. J'ai eu peur. Ok. J'aime bien avoir genre l'atout qui fait que mon radar est plus grand quand je m'accroupis, quand j'ai pas de radar, hein, d'ailleurs. Mais même en deux coups de snipe, il meurt pas, quoi. Ah, ça fait quand même 4 coups de... Non, mais quand même. Non, pitié, quand même. C'est gênant, là. Non, attendez. Ah, quand même, ça va, j'ai pas mal. Hein. Les munitions vertes, par contre, 3 secondes. Hein. Il est où? Ouais. Ouais, c'est ça le truc, c'est. Est-ce que c'est fait exprès par les mobs, ça, ou. C'est genre de se poser dans une couverture de manière à ce que pile le truc que je dois tirer pour enlever leur shield, il soit bloqué par le. Par la couverture? Ok. C'est un peu bizarre ça comme animation, mais je prends. C'est bon ou... Parfait. Ah, let's go. Déjà, l'inventaire est déjà plein? Ah oui, non, les armures, oui, pour le coup. Ok, j'ai oublié pour les armures. Ok. Dim? Ouais, Dim, j'aurais besoin de toi, là, Mitoff. Tac. 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 Oh putain. Après, il y a tellement de messages en même temps qui me disent oui, oui, ça a été transféré, ça a été transféré, ça a été transféré. Yeah. Putain de merde. Allez, allez, allez. Heureusement que j'ai vidé un peu mon Volt avant, quoi, parce que putain. Pas sûr que j'aurais pu faire ça sinon. N'hésitez pas à vider votre coffre, hein, les gens. Sauf si vous avez des armes auxquelles vous avez un attachement, genre un attachement émotionnel. Dans ce cas-là, pourquoi pas. Bon, allez, montrez-moi tout ça là. Oui. Ok. On a eu le Cantat. 1447. Ok, donc c'est effectivement pas. Ok, ça stack pas. Et là, c'est pour les. Ok, putain. Ok. Alors ça c'est pour tous les modes et tout ça, on verra plus tard, on en a pas forcément besoin. Ouais, c'est pas des armes dont on va avoir besoin. Par contre pour tout ce qui est armure, ouais, ça c'est cool ça par contre. Ok, ah oui ça j'ai oublié ça. Bah ça tombe bien du coup. Stase. Machin. Ok. Tout a été désigné. Ok, bon le reste peut rester. Bon. Et hop. Eh, parce que vous pensez que c'était fini, mais non, c'est pas fini. Là, il nous donne un coffre, mais... C'est pas parce qu'il y a un coffre que forcément... c'est la fin de la mission. Non, pas du tout. Là, on est qu'à la première partie, là.
On a fait le tiers à peu près. Putain, ça va vite hein. Bon, ça va, on a du temps. Je ne sais pas si elle va apprécier notre intervention. Bonjour. Oh, vas-y, on se la donne. Voilà. Tiens. C'est incroyable, on peut s'asseoir là et tout. C'est bon, on l'a fait, non, je crois. Ok, c'est bon. Parfait, parfait, parfait. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, il y a des bugs des fois avec de dessiner le champ de vision. Quand le champ de vision est trop grand, ça fait ce genre de merde. Tout ira bien. Je reste dans le coin pour réanimer. Okay. Ouais, merde, c'est par là. En gros, le principe, c'est qu'on va se faire envoyer. Non. On va pas s'envoyer. Non. On va aller dans un canon, quoi. Et le projectile, c'est nous, quoi. La reine Mara l'a affaiblie au point de la rendre maladroite. J'espère que c'est la deuxième option, mais je ne parierai pas dessus. Ouais, en gros, on a aucune foutue idée de ce que fout Savatoun ici, basiquement. Bon, Savatoun, comment expliquer? C'est un peu le bouffon vert de Destiny. C'est-à-dire que elle est un peu derrière tout ce qu'il y a de mauvais. Et on va dans son repère, c'est un peu la déesse de la rue, c'est un peu le Loki du truc. On est en mode, c'est un peu bizarre. On réussit à atteindre le vaisseau et nous voyons des traces de lumière abyssale. On dirait qu'un autre gardien est arrivé avant nous. C'est impossible. Nous avons peut-être agi trop à la hâte. Il y a trop de facteurs inconnus. Savatoun est la déesse de la ruse. Attendre que ses intentions soient claires, ça voudrait dire attendre très longtemps. Pas très longtemps. Juste assez pour fournir des renforts. Gardienne, Iris et moi, nous ne pouvons pas bouger. Si vous revenez maintenant, ça nous laissera le temps de nous préparer. Je ne crois pas que Savatoun nous laissera du temps libre, Ikora. Ça pourrait être notre seule chance. Ne vous en faites pas, on s'en occupe. Soyez prudent. Ok, alors là, comme vous pouvez le voir, bon, déjà, traces de lumière abyssale, foreshadowing, Ichiroda, on connaît. Mais du coup, d'un autre côté, on a aussi cette nouvelle architecture qu'on connaissait pas trop. De la ruche qui est vachement plus lumineuse du coup comme vous pouvez le voir puisque les couleurs changent en fait. Là on avait du noir et du rouge, du vert foncé mes couilles. Là on est sur un truc ok hein, en vrai. Hein. En fait on garde ce qui fait des architectures de la ruche là, bah, ce qu'elles sont basiquement, c'est-à-dire des motifs et tout, des trucs très gothiques en fait, mine de rien. Qui rappelle un peu le comment dire, bah Alien un peu, hein, Prometheus tout ça lol. Vraiment ce genre d'univers graphique. Un peu, avec un peu derrière des trucs mi-futuristes, mi-vitro. Ah, regardez-moi ça là. Une architecture presque organique en fait, hein, mine de rien, puisque vraiment là on a des cages thoraciques quoi qu'on a. En même temps que des arcs. Des arcs brisés. Pic de l'art gothique, enfin des cathédrales gothiques. Bref. Oh, nique sa mère. Voilà, au bout d'un moment, nique sa mère. Et shield, ça dégage. C'est quoi ça? Regardez tout, ok. Vous avez vu cette mythe? Elle brillait de lumière. Ah, oui, non, désolé. De lumière corrompue, gardien. Mais de lumière comme la nôtre. Oui, en fait, c'est ça. Bon, j'ai peut-être un peu loupé le foreshadowing, mais en gros, regardez. Eux, ils vont bien. Là, lui, exactement. Il a un petit bouclier qu'on connaissait pas avant sur la ruche. Ça, c'est pas un bouclier élémentaire, ça. Et il a des petites mythes bizarres. Putain, bonjour. Oh, putain. Il meurt ou pas? Je suis mort de quoi là? On m'explique? What the fuck? Bon, un pixel, mais bon, on a le droit d'avoir la chatte des fois quoi. Mais bon, là j'avoue que je sais absolument aucune foutue idée. Ah putain, mais il me lance des grenades, c'est vrai. Quand je suis trop loin et qu'ils peuvent plus me tirer dessus sans perdre des dégâts, ils me lancent des grenades. Ou quand je suis derrière une couverture. On voulait tester le super.
Regardez-moi ces dégâts que ça fait. Et d'ailleurs, pendant ce temps, ça neutralise les ennemis, donc on peut leur tirer dessus avec d'autres trucs. What the fuck? Est-ce que j'ai pris là? Ah oui, non, excusez-moi, c'est les mythes. Non, excusez-moi, c'est ma faute, ma faute, ma faute. C'est ma faute, ok. Non, en gros, les mythes, c'est lorsqu'elles ont plus rien, lorsqu'elles ont plus aucun ennemi vers lesquels aller, en gros. Parce que c'est un shield. Elles octroient un shield à un mob en s'accrochant à ce dernier, basiquement. Et en fait, lorsque le mob perd le shield, ou qu'il perd la vie tout court, bah en fait, la mythe cherche un autre ennemi vers lequel s'accrocher. Et dès qu'il n'y en a plus, dès qu'elle en trouve plus, et ben du coup, elle nous fonce dessus, elle est en mode ah, je vais te tuer. Et du coup, bon, bah je m'y attendais pas de fou. Et je pensais pas aussi que ça ferait autant de dégâts, et ça fait effectivement énormément de dégâts. Encore une fois, j'ai dû mettre deux coups pour tuer un... Trois coups, bordel, incroyable. Ah merde, il est là-bas lui, ok. Non mais là, ils m'ont littéralement regardé, là. Là, c'est pas très sympa, ça. Là, elle est là. Voilà, on va l'exploser comme ça. Et lui, il casse les couilles avec son shield. C'est tout. Ça, le problème que j'ai, c'est que j'ai trop de réflexes qui viennent des moments où je joue en difficulté inférieure. Ce qui fait qu'il y a des moments où j'ai l'impression de ne pas me prendre énormément de coups, alors qu'en fait, ben, je perds beaucoup plus de vie que ce que je pense. Hein. Oh, c'est bon, tu casses les couilles. Et quand il meurt, il y a des flammes de merde. Hein. Merci la difficulté de l'Enlandaire. Donc là, du coup, j'ai récupéré un tribut avec un chevalier, là. Et en gros, bah... Là, maintenant, j'ai le temps de... Je sais pas où est cette... Elle est passée à travers, je sais pas quoi. Viens là. Ok. D'accord, je vais me faire foutre. Je peux juste pas bouger là, du coup. D'accord, bah j'allais passer par là, du coup. Ah, j'ai pas tué hein. Quoi? Mais je l'ai pété moi, donc ça a fait moins de dégâts. Bon, bref, bizarre. Ok. Bon, ça, c'est chiant un peu, j'avoue. J'avoue qu'on commence à être chiant un peu. Tout va bien, on augmente de puissance. Là, on est d'accord qu'on a rien de bien là, ouais. On a rien de supérieur à ce qu'on a. Non, mais c'est juste faut être meilleur. Hein. Juste être meilleur. Où est-ce qu'ils sont partis? Ah merde. Oh putain, je me fais creep block. Ah là j'étais obligé là. J'avais pas d'attaque qui touchait genre en zone, mais on a pris ce qu'on a pu quoi. Par contre 5 secondes d'invisibilité, bon. C'est un peu la dèche quoi. What? Mais je voulais pas. Okay. Ok. Donc là, ça fait 1. Ok. Fuck, j'ai oublié que j'avais pas ça. Au moins ça me permet de régénérer, de recharger. Bon, bon après s'il me tire dessus alors qu'il sait pas où je suis, bon... C'est un peu chiant. Un poil. Alors, je l'ai littéralement tué.
Merci. Alors, il faut que je ramasse ça parce que sinon je crois que ça peut s'enlever. Suivant. Là. Oh putain, je déteste recharger en général. Ok. Je crois que je prends plus de dégâts peut-être quand j'ai le fardeau de tribu, je sais pas. Ah, les shields solaires. Génial. C'est très sympa d'avoir des missions avec les trois types de shields, vraiment, ça me fait extrêmement plaisir. Ok. Tac, ils m'ont vu. Ça l'a pas tué. Oh, ça l'a pas touché, ma vie est dégueulasse. Non, t'es sérieux? Putain, j'ai qu'une balle. Ah, oh, j'ai tellement pas de chance. Ah putain, ils sont là. Oh putain de merde, ils sont beaucoup. Putain de merde, je l'avais pas vu elle. Oh, il y en a deux. Ok. Ah oui, là je vraiment, ceux qui ont bouclier solaire, c'est des boss, hein. À mes yeux. On va pas ramasser tout de suite, je crois, si. Oh, et puis merde. On la cheese. C'est parfait. Allez, merci à tous. Putain. Ok, c'est fou! Deuxième partie terminée. Niveau supplémentaire, la vie est belle. Moult modules. Hop, 494. Ok. Et là, en termes d'armes, on a ouais, 96, 89, 88. On arrive. Je pense clairement que la... Fuck, ça c'est pas au max ça. Ouais. Parfait, merci. Intelligence. Là. Non. Je dis intelligence. Voilà. Et les coffres et les relouves sources parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Ok. Bon bah ça dit pas. Je ne devrais pas pouvoir utiliser la lumière contre nous. Elle ne devrait pas pouvoir l'utiliser du tout. Le voyageur ne lui accorderait jamais ce pouvoir. Pas volontairement en tout cas. Ça n'a aucun sens. Nous devons trouver Savathun. Eh oui, parce qu'il y a toujours ce truc à base de comment ça se fait que Savathun peut utiliser la lumière. Parce que, justement, à la base, la lumière, c'est uniquement accordé aux gardiens, basiquement. On est les seuls à utiliser la lumière depuis le début. Enfin, les déchus arrivaient avant, mais ils peuvent plus. Parce que... Bah ils sont plus les élus quoi, basiquement. Pourquoi il est parti où l'autre? Il y en avait deux. Bon bref. Il faut aller où? Ah oui, parce que c'est vrai que là on peut pas y aller. Je sais pas si le dialogue se déclenche quand je suis là. Oui. Chevalier porteur de lumière, on sait pas ce que c'est. Là, je détecte des relevés énergétiques inhabituels sur cette statue. Faisons un petit détour. Foreshadowing. Teasing. Le Tidlenorn Practice Master. Tac tac. On nous tease un ennemi qu'on va voir plus tard. C'est un truc très classique de Destiny. J'adore faire ça plusieurs fois. Généralement une fois dans par extension d'ailleurs. Hein, pour être honnête. Et là je crois que c'était plusieurs fois. Est-ce que ça redonne la... Oh putain. Ces mythes attaqueront si vous les abattez pas, gardienne. Ok, intéressant. Vous avez vu les barres de vie qu'elle m'a enlevées, hein. C'est incroyable. Et en fait, on sait pas d'où ça sort ces mythes. Alors, je trouve que c'est une très bonne idée de game design, mais c'est vrai qu'on sait pas trop d'où ça sort. Bon, alors, mythes, ça va parce que c'est quand même la ruche, donc on connaît un peu. Mais d'un autre côté, ça fait un peu bizarre.
Parce qu'on n'avait jamais vu d'équivalent avant, quoi. Après, on pourrait considérer que ce sont des êtres Cette statue ne fait pas penser à la ruche. Je n'ai jamais rien vu de tel. Statue qui... des animaux qui agissent en symbiose avec la ruche, basiquement. Voilà. On dirait la technologie des pyramides. Et qu'est-ce que ça fait sur le vaisseau de Savatoun? On devrait rapporter ça à Ikora. Ouais. On va aller par là. Hein. Ah. Je me disais bien que j'avais entendu un bruit. Grâce à mon sixième sens de gamer. Ou un casque. Ils explosent eux ou pas? Non, ils explosent pas. Salut. Ah, c'est pas au bon endroit, je crois. Bah d'accord. Ils sont littéralement retournés là, on est d'accord. L'invisibilité, ça marche qu'à deux vitesses, hein, je crois. Oh fuck. Mais... Ok, alors lui par contre, il casse un peu les couilles, c'est ça? Ah, c'est un ennemi puissant, j'ai pas le debuff. Ah! Ok. Alors. Forcément qu'ils viennent. Forcément que je termine les ennemis parce que j'ai envie de faire un truc et d'avoir une gestion d'inventaire. Et forcément qu'ils en spawnent d'autres du coup. On va le faire plus tard. Oh, je vais me faire foutre, c'est ça? Ok. Et il y en avait d'autres ici. Ah, il est là. Ok. C'est bon? Je peux. Ok. Parce que du coup, je me suis dit qu'on allait peut-être utiliser ça pour taper les ennemis puissants maintenant. Parce que. On va en avoir besoin. Du coup, on n'a pas le buff de la mitrailleuse sur des ennemis puissants. Ok, c'est par. Oh putain, j'ai oublié. J'ai oublié que c'était par là. Ça marche ou pas? Ouais, putain, la synergie! Ok, bon. Il m'a littéralement regardé, hein. Il essaie vraiment de faire genre qu'il me voit pas, quoi. J'ai l'impression d'avoir une invisibilité... comment dire... extra-dégétique. Vraiment, genre, j'ai l'impression qu'ils font exprès. Ils sont en mode... Ok, là, en fait, quand vous le voyez avec une lumière violette bizarre, c'est qu'en fait, il est censé être invisible, donc... Vous faites comme si vous le voyez pas, quoi. Putain, mais je les déteste, en fait. On m'a brûlé, là, déjà. Je suis pas très... Mais je suis même pas... Oui, la lightbox des flammes est un peu bizarre, hein, pour être honnête. Oh, j'ai dû mettre 3 tirs. Ouais, maintenant je sais utiliser la mêlée puisque ils ont fait un changement sur la mêlée de l'arcaniste pour qu'on ait effectivement la même portée et la même vitesse que les autres mêlées. Apparemment, Savatoun essaierait de capturer de la lumière abyssale sur les gardiens morts. Ça pourrait être lié. Peut-être qu'elle étudie l'abysse depuis tout ce temps. Est-ce qu'elle aurait fait comme ça? Incroyable hein, comme environnement. Là on a des espèces de vitraux vivants. Bon alors, on a vraiment l'impression que c'est des shaders qui sont mis sur un truc. Donc c'est vrai que ça fait un peu bizarre. On a vraiment l'impression que ça fait plus projecteur que vitrail, mais...
Mais sinon, c'est derrière les petites. Les futurs mythes, j'ai envie de dire, hein, finalement. Mais des papillons, les papillons de lumière, lol. Comme quoi. Ah, Savatoon. C'était Savatoon. Dépêchons-nous. Allez, je vais faire comme si je le savais. Allez. Oh, elle s'enfuit derrière ce portail. Je vais le prendre. Non? Ah merde. Ah, bonjour. Qu'est-ce qu'il fait? Incroyable, il utilise une grenade de lumière. Deuxième même d'ailleurs. Non, c'est bon, tu... Ok, d'accord. Calmez-vous. La lumière abyssale. On va essayer de pas se faire one shot. Ok. Ok. Bon, ça va. Il est canalisable. J'ai rien dit, c'est un fou dangereux. Bon, allez. Tiens. Ok, non, j'ai rien dit. Oh putain de merde. Celle-là j'avais pas pu venir. Oh putain, ça il faut que je le batte. Oh putain. Oh allez, vas-y, c'est quoi? Y'a là. Y'a. Impossible. Est-ce que c'est un spectre? Je ne peux pas le croire. Approchez-vous, gardienne. Je dois voir. Et ouais, il a raison. Au secours! Au secours, il me fonce dessus! Putain de merde! Oh putain! Il fait peur. Ok. Il est taré, hein, par contre. Je sais pas, moi. Nous devons arrêter son spectre. C'est le seul moyen. Oh putain de merde. Il est mort ou pas? Il est mort. Cette chose n'est pas comme moi. Ça se voit, non? Je ne peux pas y croire. Nous devons continuer. Ah, oh, voyageur, que vous a-t-elle fait? Ouais, généralement quand on voit une barrière, c'est qu'il va se passer un truc. Hein. Allez, c'est parti. Ah oui, alors là. Allez, venez. Voilà. Bon, alors ils sont intelligents, mais pas à ce point. Hein. C'est des esclaves. Hein. Ces mecs-là. Enfin, c'est les sbires de la rue. Ils s'appellent les esclaves. Pitié, au secours. Ok. Sale chien! Je suis derrière toi en fait! Oh ta grand-mère. Mauvais chiol. T'en casse-toi d'ailleurs. On en profite. Hein. Pour donner les bons signaux. Il faut que je récupère le tribut, c'est ça? Ouais. Oh le gambit! Ah non, pas toi. Non, pas toi! Allez, 2-1. Alors. Suivant. Ok, ça arrivera. Ok. Ok. Là, il y a des esclaves de mort. Encore un. Il y en a derrière ou pas? Ok, faut que je fasse gaffe, hein, parce que j'ai pas de radar.
Pas mal ça. Ah oui, là on en a rien à foutre. Hein. J'ai plus d'armes premières. Hein. Je ne possède que les LMG. Oh, c'est bon. Ils sont combien là? C'est bon? On va voir le dernier là, le Warrior. That build is down. Non! Fuck! Bon. Je vais perdre des munitions, mais ça va. C'est pas non plus la mort. Ça va. On a combien? 1h06? Ça devrait aller. On va terminer avant les 1h15, je crois. Ils sont pas trop chiants. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié qu'ils étaient trop chiants. Et donc ça, c'est fait. What the fucking fuck? Let's go. Shit. Ouais. Donner. Ah oui, il faut qu'on y aille. Oh putain, c'est vrai que ça termine pas maintenant la première fois du coup. Ce lieu, ça ne ressemble pas à un monde du trône de la ruche. Là, si vous voyez pas des cathédrales, là, au bout d'un moment, je peux rien faire. Hein. Il est pas mort, j'y crois pas. Ok, ils sont en train de se passer le mot là. Je me demande s'il y a moyen de cheese des IA avec le déplacement accroupi. Je vais jouer à Coupi toute ma vie si je veux. Ça me pose pas de problème. Ah! Fuck. Ah non, par contre, non, t'es chiant toi. Encore à la droite là? Oh putain. Trop loin? Trop loin. Ah mais ça va, c'est bon, il se barre. Oh putain, encore là? Non mais c'est bon, j'ai compris, c'est le monde du trône, mais... Oh putain de merde! Bon bah là, j'avoue, là, bien vu, là. Et en plus, il se TP, bien vu. Ah là, le counterplay incroyable. Hein. What the fuck? Oh le grave. Oh vas-y, on a trop. Oh les brûlures partout. Oh putain. C'est bon, je peux ouvrir, s'il vous plaît? Merci. Dites-moi, très cher invité. C'est elle. Comment avez-vous fait? Où avez-vous trouvé la force de détruire quelque chose qui vous ressemble tant?
Oui. C'est parce qu'elle avait absolument pas essayé de me tuer, quoi. Et qu'elle n'allait pas à recommencer jusqu'à ce que je la bute, quoi. En gros. Moi, je veux bien faire la paix, hein. Moi, je suis pas contre faire la paix avec Savatoun. Par contre, il faut que ça soit, ça vienne des deux côtés, quoi. Je fais un pas vers vous, vous faites un pas vers moi, quoi. En gros. Bref. Allez. C'est le moment de faire la guerre. Madame ! Là ! Regardez dans le miroir et tuez ce qui vous renvoie à votre regard. Oui. C'est ça. Bien s'il me semblait, j'allais dropper un super, mais elle n'en vaut pas la peine. Alors par contre, c'est pas le bon endroit. Excusez-moi. Bon, au moins l'avantage, c'est que ça me permet de me replacer. Au moins l'invisibilité, ça c'est cool. Ça me permet de prendre potentiellement un petit peu plus de risques. Ok. Pourquoi est-ce que ça brûle? Qu'est-ce qui m'a brûlé, wesh? Ah ça, certainement. Ouais. Oh sa mère. Ouais, on va commencer par ça toujours. Le temps, fuck. Ah, ça m'a pas octroyé l'invisibilité. Oh, au secours. Ouais, j'ai trop de munitions de mitrailleuse. J'ai besoin d'un peu moins. Ah, bonjour madame. Ah, je peux vous tuer, ça y est? Ah, let's go. Ah! Vous êtes vaincu, mais c'était trop facile. Cela a semblé trop facile, n'est-ce pas? Non, mon coffre! Mon coffre! Il m'a fait gagner des niveaux. Non, ça va tout. Arrête. Je vais atteindre le niveau 100 trop vite. J'aurai plus rien à grind. C'était peut-être notre seule chance, on ne pouvait pas la laisser passer. Je comprends parfaitement. Mais ça ne ressemble pas à Savatoun de se montrer aussi imprudente. Il y a autre chose. Avant de quitter le vaisseau, on a croisé l'un de ses chevaliers. Et il... Il avait un spectre, Ikora. Comme nos porteurs de lumière. Un spectre? Un chevalier de la ruche avec un spectre? Mais alors... Savatoun a volé la lumière. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Impossible. Avec Savatoun, rien n'est impossible. Et ouais, on a entendu notre perso parler. Let's go! Toujours friand sur le moment.
Moi j'ai toujours dit de toute façon, depuis la première fois, depuis les vidéos, je crois que vous pouvez même retourner. Oh fuck. Sabatoun, la reine sorcière, déesse de la ruche, de la ruse et des mensonges. D'après la légende, elle est née sur une planète lointaine et hostile, et aurait dû mener une vie brève et sans histoire. Seulement, son ver de compagnie l'a averti d'un cataclysme imminent. Suite à cela, elle a emmené sa fratrie dans les profondeurs, où les anciens vers divins leur ont offert un pouvoir incommensurable, en échange d'un sacrifice de sang constant. C'est ainsi que la ruche est née, et que d'innombrables civilisations furent condamnées à l'extinction. Durant des siècles, elle a dévoré toute la vie et la lumière, à chaque fois qu'elle en trouvait, sans la moindre résistance. Jusqu'à ce qu'elle s'en prenne au gardien. Après la mort de son frère, Oryx, Sabatoun est allé se cacher. Pas par peur, bien sûr, mais par stratégie. Sabatoun sait que la meilleure façon de vaincre son ennemi, c'est de le rejoindre. Par son tour le plus terrible, elle a infiltré l'avant-garde, nous a affaiblis de l'intérieur. Elle a volé notre ressource la plus sacrée, que nous pensions à jamais hors de sa portée, la lumière. Ouais, et du coup, je disais, en gros, que c'était sympa de voir notre personnage parler, parce que si vous pouvez, je pense que vous pouvez littéralement revenir aux premières vidéos que j'ai fait sur Destiny 2, donc la campagne de la Guerre Rouge, genre 2017, genre, où je disais que c'était vachement dommage de pas avoir fait plus parler notre personnage principal, parce qu'on peut le customiser, basiquement, mais qu'il y a, genre quoi, 6 voix différentes. Ou, à tout casser, genre une par race, basiquement, et une par sexe. Et du coup, c'était un peu dommage de faire parler le spectre partout, quoi, même si c'était un gain d'argent, je trouve que c'était quand même une grosse perte de temps, parce que c'est pas forcément notre personnage à nous, le spectre, c'est le personnage qu'on incarne, nous, dans un FPS, c'est le personnage qui, bah, dans lequel on, dans les yeux duquel on est, je sais pas, comme ça, bref, et c'est pas le spectre, du coup, compliqué, quoi. La ruche portant la lumière, avec ses propres spectres. J'aurais dû le voir venir. Mais comment? Nous voici dans un nouveau paradigme, gardienne. Un paradigme où les frontières deviennent de plus en plus floues. Tout particulièrement entre le bien et le mal. Si j'avais été à votre place, en vérité, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais ne nous attardons pas là-dessus. Voyons ce que nous savons. Vous avez trouvé un indice en chemin, pouvant expliquer pourquoi Sabatoun a décidé de suivre le retour de Mars. Selon les relevés de votre spectre, ce fragment produit les mêmes vibrations que la relique de la pyramide qui vient justement de revenir avec Mars. Allez voir, je vous en dirai plus quand vous reviendrez. Ouais, là clairement vous pouvez regarder les sous-titres. Là le modèle d'Ikora est un peu différent de ce qu'il y a dans la cinématique, quoi. Après c'est normal, hein, au bout d'un moment... La cinématique elle a été faite spécialement pour l'extension, le modèle d'Ikora il est là depuis 2017. Depuis 2017. Du coup ils allaient pas genre changer tout exprès. Sauf que la différence entre préquel qui est en réel est très différente. Ce que tu peux te permettre de faire, d'avoir des plus gros détails sur les expressions faciales. Du coup Ikora est très surprise parce que vous lui apprenez sur la ruche lumineuse. Elle veut des réponses mais d'abord elle vous demande de visiter la relique de la pyramide. Elle pense que le fragment que vous avez trouvé sur le vaisseau de Sabatoun pourrait être un artefact lié à tout ça. Rendez-vous à la relique de l'enclave de Mars, puis attendez voir Ikora. Ok. Alors tout ce qui est relique, machin, mes couilles, on va pas trop... Ouais. Il y a des cinématiques et tout, donc on va s'arrêter là, ça fait déjà 1h20. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête ici, et que je vous donne rendez-vous tout de suite dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc, à la prochaine du coup, salut.